Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va refaire un autre test sur le jeu Pocket Soccer sur Nintendo Game Boy Color. Alors si vous vous souvenez, on a déjà fait un test sur ce jeu, et ben j'ai envie de le tester. Bon, cette fois, je vais essayer de mieux jouer parce que l'autre fois, je me suis pris une claque monumentale. Bon, en même temps, c'était de la découverte en même temps, donc ça va. Hein. Donc peut-être que j'aurais plus de chance par rapport au match précédent. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit jeu sorti en 2000, édité par Nintendo et sorti sur Game Boy Color. Alors attendez, on va déjà, je veux dire, regarde, on va prendre le rythme, comme d'habitude, le français. On va faire un petit match d'exhibition, si vous voulez bien. Voilà. Alors, bon, on va faire comme d'habitude, on va faire un petit match amical des familles. Alors attendez que je choisisse bien. Oui, on a quasiment mais l'embarras du choix. Alors, non, attendez, Sabre, Beaver, Bullets, Dar, Signals, Dynamos, Saxon. Bah tiens, on va prendre les Barbarians, tiens, pourquoi pas. Ah, c'est vraiment des équipes que tout le monde connaît pas. Hein. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire un petit mini tournoi dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Bon, alors, attendez. Dart, Signals. Je choisis mes adversaires. Eros, Monarch, Ace. Bon, on les a déjà vus. Sting. Ah bah tiens, pourquoi pas les mammouths. Voilà, c'est super. Voilà, ça sera, donc alors, on va choisir maintenant l'arène. Bah tiens, le Colisée. Eh oui, le Colisée, pas mal. Allez, tiens. Voilà. Barbarians versus Mammouths. Autrement dit, les barbares contre les mammouths. Bon, alors, je suis donc les barbares qui jouent en vert. Face à eux, l'équipe des... Oula. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu une faute du côté des Barbarians, tandis que les Mammoths, autrement dit les Mammouths, jouent en mauve. Bon alors, je vais essayer de mieux jouer. Et encore une faute. Bon, ok, visiblement, ce jeu accumule les points, c'est pas fini. Oula, belle tentative. C'est pas fini. Allez, passe à ton petit camarade, voilà, c'est bien. Attendez, c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Et c'est le but. Et ouverture du score des Mammoths. Donc 1-0. Voilà. Allez, c'est la reprise. Voyons si les Barbarians peuvent comment revenir à la charge. C'est pas fini. Attention, non, ça ne va pas. C'est pas fini. Attention, est-ce que ça va passer? Oui. Et ça rentre. Égalisation des Barbarians. Bon, ben, un partout donc. But signé Elèbre, Moltmann, Elèbre, Elèbre du côté des Mammoths, Barber, non, ça n'entrera pas, ok, franchement, ce jeu, bon, il a beau être simplet, il est pas mal, et c'est le but, et nouveau but marqué par les Barbarians. Donc ce qui fait au total de 2-1, mais c'est pas fini parce que là on perd pas de temps. Le combat va devenir un peu plus intéressant, j'espère. Voilà donc, bon, toujours 2-1 pour les Barbarians qui mènent au score, 2-1. Et le match continue. Ballon toujours, faites-y pour les Mammoths, c'est pas fini, attention. Oui, faut pas perdre de temps, faut pas perdre de temps. Hein. Étant donné que c'est un petit match, je sais pas si c'est un match futsal ou quelque chose comme ça, mais franchement, il est bien. Non, ça donnera rien. Attention, c'est pas fini. Oui, joli arrêt du gardien. Oui. Allez. Allez, mais qu'est-ce que t'attends pour eux? Oui, elle sait pas pourquoi, mais les joueurs, au lieu de rattraper le ballon, ils restent plantés là, à ne rien faire. Je sais pas ce qu'ils ont. Hein. Bon, en tout cas, nouveau but marqué par les Mammoths. Donc, score de parité de partout. C'est pas fini. Voilà. Voilà, donc ballon toujours pour les... Attention, et c'est le but! Et nouveau but marqué par les Barbarians. Autrement dit, les Barbares. 3-2. C'est pas fini, ballon toujours pour les Mammoths. Bon. Nouvel arrêt du gardien qui ne se laissera pas tromper. Attention, c'est pas fini. Non, ça ne marchera pas. Allez, on continue. Et c'est la mi-temps. Donc voilà, donc c'est la mi-temps de ce jeu. On se retrouve tout de suite pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Où est-ce que t'es?
Où est-ce que t'es? Montre-toi, salopard! Où que tu sois, je te trouverai! Prends garde à mon coup! Montre-toi, sale enculé! Enculé, le parfum des enculés, de Chanel. Nous sommes de retour pour assister à la deuxième mi-temps de ce match qui oppose les Barbarians face aux Mammoths. Et pour l'instant, ce sont les Barbarians qui mènent au score, 3-2. Mais les Mammoths ont quand même de la ressource. Et alors, toutes les équipes qui sont présentes dans le jeu ont de la ressource. Et c'est le but! Et nouveau but marqué par les Mammoths. Donc, nouvelle égalité parfaite, 3 partout, donc c'est pas fini, ah dommage, c'est pas fini, ah dommage, attention, on se bouscule, non, ça donnera rien. Eh, il y a une chose qui est bien dans ce jeu, c'est son côté Olivier Tom, je sais pas pourquoi. Allez, c'est pas fini, ballon pour les Barbarians, c'est pas fini, attention, non, dommage, il a perdu trop de temps. Ballon toujours pour les Mammoths, lèvres, et c'est le but. Et nouveau but marqué par les Mammoths, 4-3 donc, et ce n'est pas fini, oh mince, il a manqué. Allez, on continue, ballon toujours pour les Mammoths, attention, cette fois-ci c'est les Barbarians qui ont le ballon, attention, ah dommage, ils l'ont perdu. Voilà, ballon toujours pour les Barbarians, attention, non, ça passe à côté, ce sont les Mammoths qui ont le ballon. Où est-ce qu'il va marquer? Est-ce qu'il va marquer celui-là? Attention! Non, ça passe à côté. Dommage. C'était une belle tentative. Ballon cette fois-ci pour les Barbarians. De nouveau pour les Mammoths. C'est pas fini, attention! Et c'est le but! Et nouveau but marqué par les Barbarians. Les Mammoths, pardon. Donc ils mènent au score 5-3. Et c'est pas fini parce qu'il me reste, encore la... Quelques minutes à jouer, attention, oui, est-ce que ça va le faire? Ça va le faire, voilà, on passe le ballon à nos coéquipiers, voilà. Voilà, il y a le ballon, et c'est le but! Et nouveau but marqué par les Barbarians, ce qui fait au total de 5-4. Ah, ils peuvent faire le match nul, s'ils ne paient pas de temps. Et non! Et nouveau but pour les Mammoths! Ah, ça part à toute allure, Alors qu'on s'approche déjà de la fin de ce match, et pour l'instant, ce sont les Mammoths qui mènent au score, 6-4. Alors, ils peuvent encore sauver l'honneur? Non, ça passe à côté, dommage. Allez, on continue. Ballon toujours pour les Mammoths. Est-ce que... Non, ça ne suffira pas. C'est pas fini, ballon toujours pour les Barbarians. Est-ce qu'ils se... Non, toujours pas. Ah bah décidément, rien ne va plus. C'est pas fini. Ça va être terminé ce match. Il va se terminer dans quelques minutes. Attention. Non, ça suffira pas. Et c'est justement la fin du match. Et ben donc, victoire. Belle victoire étriquée de l'équipe des Mammoths, autrement dit des Mammouths, face aux Barbarians, autrement dit les Barbares, sur le score impressionnant de 6-4. Voilà donc les gens, c'était donc la fin de ce match. C'était et aussi le dernier test sur ce jeu. C'était donc Pocket Soccer sur Nintendo Game Boy Color. Un très bon jeu de football, assez sympa, assez simple. Oui, il est très simple, mais ça va, il est pas trop mal à tester. Hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour le prochain test. À vous les studios. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais...